Et des juges pour la note avec une note de départ de 9,90 de Andorran. Ça fait un 9,55 au total. Ouais. Petkovsek pour terminer cette épreuve aux barres parallèles. Attention à lui. Ouais, c'est le meilleur gymnaste actuellement sur le circuit international, même s'il était absent des. Ah, et quel dommage que la Slovénie des Jeux Olympiques n'ait pas été présente au JO. Regardez plutôt, salto en dessous, bras tendu, salto en dessous, demi-tour. Il travaille sur une barre qu'on appelle le Peters. Équerre. Plein de ventre. Regardez ici cette difficulté, salto wow. Avant-quart. Écart. Magnifique. Hein. C'est pareil, hein. On a la sensation qu'il ne force pas. Dommage. Et le déséquilibre sur la réception, il y a eu deux déséquilibres. Deux dixièmes pour le Slovène, alors que c'est actuellement quand même le meilleur mouvement. Regardez cette amplitude ici, salto avant, un quart, rattrapé à l'appui. Ça veut dire qu'il ne faut pas louper les barres. C'est vrai que je le compare un petit peu à Urzica sur les arçons, tellement, ouais. Tellement il semble facile. Ouais, la déception, il a été pénalisé. Ouais. Les deux dixièmes sur les deux déséquilibres sur la réception 9-712.